Bon, bah les boys, c'est la suite de mon périple en motocross. Là. Je viens de me rendre aux Portes des Brumes. Comme vous pouvez voir, c'est la nouvelle bâtisse. Mais là, ça va être démoli. C'est assez beau, assez gros. Un petit mini village, là. Bon, on va se rendre jusqu'au dojo de Châteaille. Je vais aller vous montrer. Ça, c'est Kim qui gosse encore dans les bâtisses. Là-bas, il y a une petite tente, si on veut. Des bâtisses un peu partout. Viens avec moi, Kim. On va aller jusqu'au dojo de Châteaille. Des traces en croûte. Oh, il y en a qui est venu avec son motocross. Un fameux petit pont. La niche du chien pour les poules. Quelle bébite? Il y avait une bébite turquoise. Ça se peut. Là, je suis plus sûr du chemin. Ben, je voulais aller au dojo, mais. Je sais plus comment on serait. Ah, c'est en arrière là-bas. Oui, non? Ouais, c'est ça, c'est là. Je viens de le voir. On a tourné trop. On n'a pas tourné. Regardez ça, la Porte des Brumes, c'est plate. Et ça, ça a tout été mangé par l'hiver, ça. C'est une niche, ah non, c'est pas les poules. Ouais, c'est un. Pourquoi ils ont vraiment des poules? Ouais. Je m'excuse toujours pour les coups sur la caméra, j'ai toujours mes potes de motocross. Oh, ils ont commencé à bâtir le dojo. Il y a des traces d'aménager. Ici, l'été, là. Tout plein de tentes qui sont montées. Là, vous pouvez voir le dojo. C'est juste une plateforme. C'est ça que j'aimerais qu'on fasse éventuellement. Ça n'a pas de l'air de quelque chose médiéval, ça? C'est la fameuse plateforme du dojo de Châteaille. Ça fait quoi, ça?